toujours harmonieuse. Le Seigneur peut se servir de n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe quel événement pour enseigner et pour restaurer ce qui était mort. Ton problème, c'est qu'il faut que tu mettes ta confiance dans la personne, l'Esprit de Dieu. La Bible appelle le conducteur par excellence. Écoute frère, tu n'as pas besoin d'être berger quelque part. Tu n'as pas besoin d'être au volant. Très souvent, ceux qui conduisent, ce n'est pas forcément ceux qui sont au volant. Tu peux être derrière, il y a un chauffeur devant, mais c'est toi qui montres le chemin. Ça, c'est Dieu me siffle, ça frère. Tu peux être derrière le véhicule, à la deuxième cabine, à la troisième cabine, mais le chauffeur, quand il veut prendre la direction, il dit, je fais comment? Quand il veut prendre la je fais comment? Ce n'est pas parce que tu es devant, mais frère, la position importe peu. Le plus important, c'est d'avoir le conducteur par excellence, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es mésestimé, même si tu es sous-estimé, même si tu es à la dernière place, laisse-moi te faire comprendre que si tu as le paraclet, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as le consolateur, le guide par excellence, les hommes se leveront autant convenable lorsqu'ils vous vont prendre des décisions. Ils vont te consulter à tel niveau. Que faut-il faire? À tel niveau, que faut-il faire? Mais pourtant, tu n'es pas le conducteur. Tu n'es pas à la première place. Mais on va te consulter. Que le Seigneur visite une vie ce matin. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur est le conducteur par excellence. Toi qui étais désespéré, toi qui avais peur, toi qu'on ne consultait pas, si tu as l'Esprit de Dieu, même les grandes décisions vont t'attendre. Si tu as l'Esprit de Dieu, même les grandes consultations vont t'attendre. Les grandes réunions, les grandes réunions. Aide-la, 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 aide-la. Alléluia, 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 alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, oh alléluia, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le tout à coup de Dieu. Je te parle l'Esprit, ne sois pas distrait. Même si tu es au second rang, je te rappelle que le chauffeur peut s'arrêter pour dire, maman Astrid, on fait comment? Maman Anne, on fait comment? Sœur Marie, on fait comment? Sœur Gaëlle, on fait comment? Maman Andrea, on fait comment? Parce que tu as l'Esprit, le paraclet. Tu as le conducteur par excellence. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils vont te consulter. Ils vont te consulter avant de prendre les plus grandes décisions. Mais pourtant, ce sont eux qui conduisent. Ce sont toi qui conduisent. Ce sont toi qui conduisent. Aidez-la, pardon, aidez-la. Ce sont toi qui conduisent. Ce sont toi qui conduisent. Ce sont toi qui conduisent. Mais l'orientation dans ta main. L'orientation dépend de toi. L'orientation dépend de toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu connais le chemin. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu connais le chemin. Oh, ils peuvent conduire. Ils peuvent conduire. Mais la destination finale appartient à l'Esprit de Dieu. Laisse les hommes se moquer. 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 Parce qu'ils sont des conducteurs. Mais toi, tu connais la destination et le plan. Prie un instant. 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 Alléluia. Prie un instant ta place là où tu te trouves, dans cette atmosphère. Prie un instant. Prie un instant. Prie un instant. N'éteins pas le feu de Dieu. N'éteins pas le feu de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Si tu as le pas la langue, pas la langue. N'éteins pas le feu de Dieu. N'éteins pas la flamme de Dieu. N'éteins pas la flamme de Dieu. N'éteins pas le feu de Dieu. N'éteins pas. Ils vont te consulter. Ils vont te consulter. Ils vont te consulter. Parce que tu as en toi le conducteur par excellence. L'Esprit de Dieu conduit dans la vérité. Dans toute 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 la vérité. Alléluia, alléluia. Ainsi soit-il. Un autre consolateur viendra. Il ne parlera pas de lui-même. Un autre consolateur viendra. Alos Paracletos. Il a la même nature que Dieu.
la même nature que la personne de Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce que j'ai dit. Il vous rappellera les choses cachées, les choses oubliées. Je te parle de l'esprit qui positionne les gens. Lorsque tu es minimisé, avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit de Dieu, Pierre le pécheur a influencé le monde. Aussi longtemps que l'esprit de Dieu demeure en nous, frères et sœurs, aussi longtemps que tu élèves le nom de Dieu, Dieu élèvera ton nom. Oui, je sais. Ils t'ont méprisé parce que tu es à la seconde place, parce que tu es au deuxième rang. Mais je te rappelle aujourd'hui que le plus important, ce n'est pas de conduire, mais le plus important, c'est d'avoir celui qui connaît la direction. L'Esprit de Dieu connaît la direction. Il peut te repositionner. Il peut te repositionner. Et il va te repositionner. Il y a des bruits qui annoncent la victoire. Il y a des bruits qui annoncent, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Il y a des bruits qui sont voulus par le Seigneur. Dans ces bruits, il y a la vie, comme le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte est un